You're the same bad boy, you're the same bad man. Bis man die Wumme hier zückt. Psch, und der Rest ist für dich verrückt. Dip, 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 und der hat heute gar kein Glück. Dip, 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 und der hat heute gar kein Glück. Passwortzahl, die bleibt 829. Spring in die Chest, denn ich bin sein Freund. Jinder, Schinder, Wappers ihn beulen. Lass deine Mutter zu Hause heulen. Demon Season, Demon Time. Ich hör ihn atmen und steck ihn rein. Ich ein First Chest und. Salut tout le monde, c'est Gam Morrison. Aujourd'hui, je suis avec mon gars Mauvais Joe. Ça dit quoi, mon gars? Ça dit quoi, mon gars? Ah, on est là mon gars. Déjà, où est-ce qu'on est en fait? Là, on est devant mon bâtiment, bâtiment neuf, la légendaire, très historique. C'est le bâtiment où j'ai fait mes premiers pas. Genre, du coup, j'ai fait ma première vidéo là, devant un bloc, même devant la porte là. C'est mon premier freestyle et c'est pour ça qu'elle est très très légendaire et très historique. Bon, je te laisse te présenter aussi déjà. Donc, du coup, moi, c'est Mauvais Joe, j'ai 22 ans. Je me suis mis dans le rap, ça fait un an maintenant. Et je me débrouille, taï. C'est en Allemagne, le rap game, c'est pas comme en France, taï. Mais on se débrouille, et peu à peu, peu à peu. Carré mon gars, vas-y, on va aller faire un petit tour. Vas-y. Dans la zone. Vas-y. Déjà pour commencer, on est où? Dans quel quartier de Cologne? Là on est à Pocklemünde. Pocklemünde, c'est ici que j'ai grandi. C'est ici que j'ai fait mes deux, trois pas, mes premiers pas. C'est ici que je suis parti à l'école. Ça là c'est ça chez moi. Toi tu fais partie de 50-51 cartels. Ouais. C'est quoi? C'est un groupe, un collectif? Le 50-51 cartel, c'est un groupe. Genre même pas un groupe, c'est une famille. Tout le monde qui est dedans. On est tous les poteaux depuis l'enfance, on se connaît depuis l'enfance. Et genre, tu connais, hein, comme dans tous les groupes, ça se voit, ça se parle et après ça s'entend que ouais, il y a un qui rappe, après il y a le deuxième qui rappe, il y a le troisième qui rappe. Vas-y, viens, on se donne la main, on fait un groupe. C'est comme ça qu'on a fait le groupe 50-51 cartel. Vous êtes combien à peu près dedans déjà? On est à peu près 6 et toutes les 6 on rappe, on fait de la musique. Les clips, ça a été fait... Ouais. Il y en a eu ici, ouais, forcément. Un ici, là, devant le bloc 9, comme tout à l'heure j'ai dit, et même là en haut, même ici devant le bloc, là, partout, un peu partout. On a fait des clips un peu partout, aussi dans des autres villes, dans des autres blocs, mais la base c'est ici. Bon, là il y a d'autres rappeurs un peu ici. Ouais, là, moi c'est le petit. C'est le petit du quartier, il y en a un, deux, trois qui rappent, tu connais, eux ici ils se débrouillent entre eux et ils sont v'là de personne. Il y en a un même qui rappe, hé Hamoudi, où t'es bas? Ça c'est un qui rappe. Tu parles français ou quoi? Ah un peu, je sais pas. Frérot tu parles français un peu? Ouais je parle français un peu. Bon, et... toi tu rappes aussi du coup? Ça je t'apprends bien. T'as fait quoi? T'as fait des clips? On a déjà fait des clips, on a déjà fait 4 clips sur Insta, HM Gang. Du sagst dann nach Dortmund, ich schau dich weg. Du warst in meiner Stadt und wurdest gecatcht. Was du redest, das ist alles nur Dreck. Du bist eine Pussy, weil du nur rumfängst. Alles nur Chit-Chat, was du mir sagst, das angeht nicht die Wahrheit und machst alles parat. Doch Wallabila, wenn ich dich einmal sehe, dann horch, dass ich ein bisschen geschmeckt hab. Bon, y'a qui d'autre qui rappe avec toi? Est-ce que t'es pas tout seul déjà? Y'a Mauvais. Fabrice, comment? Y'a aussi un troisième, il s'appelle El Turco, mais il est pas là aujourd'hui. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Bon, tu rappes aussi, on m'a dit. Oui, oui. Vous avez commencé quand le groupe? Vous avez commencé comment? Le groupe, on a commencé, ça fait. 4 mois, 5 mois et le premier clip on l'a fait après depuis 4 mois, depuis 3 mois. Vous avez fait que Instagram, vous avez pas fait YouTube? Ouais, c'est un truc sur YouTube, ça va venir en YouTube mais pas encore. Comment ça se fait? Vous êtes tous français ici? Oui. Non, enfin je dis vous êtes tous français mais vous parlez tous français quoi? On est des Allemands, oui. On parle tous français mais pas tout le monde. Genre, on est des Sénégalais, des Congolais, tous. Là ça parle français en famille. Et quand ça rappe, ça, vous avez fait que en allemand ou vous avez fait un peu des petits textes en français? Un peu en allemand, mais il y a un pote de nous, il habitait en Lille, à Roubaix, et lui il rappe son français. Ici j'ai remarqué que c'est un quartier. On voit l'inspiration de la France un peu, non? Ouais, ils sont tous influencés, même moi-même je suis influencé. Voilà, bien influencé du quartier, de Paname, Taï. Du 7ème, du 8ème, je sais pas, toutes les villes, t'as eu. Comme nous aussi, ici, des fois,
Nous, on n'écoute que du rap français, Taï. Que de Bisbar, du Leto, du RSKO, du... Je sais pas qui, jusqu'à VG Dream et je sais pas quoi, Taï. Ouais, on est bien influencé du quartier, d'Air Panam et tout, tout, tout. Bon, ça a fait des clips un peu dans le secteur ici ou pas? Ouais. Tu connais, c'est la maison. Taï, si je fais des clips, c'est en première fois. Le premier tour que je fais, c'est ici, Taï. Le premier pas que je fais, c'est ici, je fais des clips. Et ouais, dans le futur, vous allez voir que le bloc. Là, je vois qu'à tout autour, où est-ce qu'on mange le mieux ici? Là, on n'a pas Vlad magasin ou Vlad restaurant pour manger, Taï. Là, il y a Döner Snake. Chez nous, on appelle le grec Döner. Et genre, c'est une poche de pain et il y a de la viande dedans, de la sauce, du salade, tomate, oignon et... Non, on dit pas grec, on dit Döner, mais... T'as déjà mangé les grecs en France ou quoi? Bien sûr, Wallah, tu préfères quoi? Tu préfères quoi? Parce que le débat... grec, hein, Wallah. Tu préfères les grecs de France? Je préfère les grecs, Wallah. Wallah, je préfère les grecs. T'es parti tout de suite, là, 5h jusqu'à Panama pour manger du grec, Wallah, je pars. Wallah, sans discussion. Sans discussion, mon pote. Bon, je vais te dire aussi... Moi, t'as vu, je suis allé à Berlin et tout avant, j'ai remarqué le style, le rap et tout, c'est différent là-bas d'ici, à Cologne, on dirait un autre pays même. T'en dis quoi, toi? À Berlin, genre, leur style de rapper, leur style de musique, c'est... Je sais pas comment expliquer en français, voilà, je sais pas. Genre, c'est street, t'as dit, mais c'est, on va dire, c'est pour des... C'est des gens qui se posent genre dans des parcs et fument un bon terre, Taï, une bonne clope avec une bonne bière, Taï. C'est des musiques comme ça qu'ils font genre là-bas. Là. Donc chez nous ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est bien influencé du rap français. Et Taï, chez nous, on se prend un modèle genre en France, Taï. Et c'est pour ça, ici en Cologne et à Berlin, voilà, c'est des autres mondes si on parle des rap. En parlant de... Du rap allemand, t'as vu? Vous êtes en train de faire... T'es dans la drill aussi. Ouais, ça, on voit pas beaucoup en Allemagne. Ouais, c'est vrai. Comment ça... Tu penses que ça peut, si tu continues comme ça, apporter un peu la drill ici en Allemagne? Parce que... Ouais, je me suis mis dans sur des prods drill. Mais Taï, moi, vrai de vrai, j'aime pas trop le drill, Taï. J'ai fait du drill deux fois parce que Taï, comme c'est devenu la mode, on doit s'adapter et c'est pour ça... Je faisais que du drill, mais en vrai de vrai, moi, c'est que sur des instrus trap, hein. Sur des instrus bien afro, bien impulsifs et que du trap. Moi, je m'intéresse pas trop pour du drill. Si ça pète, voilà, on dit Alhamdoulilah, mais si ça pète pas, tant pis, hein, je vais essayer avec du trap, Taï. Ça, c'est mes potes. Ça, c'est mes potos d'enfance, Taï. Ça, c'est Choc. C'est quoi? Hein, ça, c'est mon photo, sûr. Ça c'est Abel, lui aussi on se connaît, Taï, c'est un poteau à moi, sûr. Ça aussi, ça c'est Bandi, mon poteau d'enfance, on a fait l'école ensemble. C'est tous mes poteaux, c'est des frères, c'est même pas des poteaux, c'est des frères. C'est avec eux que je traîne 24/7. Il y en a encore d'autres, mais là ils sont pas là, mais ils vont venir après, mais tu connais. C'est quoi tes meilleurs souvenirs un peu ici, frérot? Mes meilleurs souvenirs? Est-ce qu'il y a des souvenirs même? Je sais pas, voilà, il y a des souvenirs. Mais je peux te raconter un petit truc, Taï. Taï, lui, avant qu'on était petit, on s'aimait pas, Taï. On s'aimait pas, nous tous. Quand on est petit, on s'aimait pas, on s'insultait, on se tabassait, on faisait tout, Taï. Mais quand on grandit, la tête aussi grandit. Taï, on est devenus des potos. Depuis que j'ai commencé la musique, c'est eux qui sont avec moi et Taï. On essaie de se débrouiller et faire le best. Hein. Et justement pour la musique, est-ce qu'à Cologne, il y a ce qu'il faut pour les studios, les réalisateurs de clips? Est-ce qu'il y a ce qu'il faut ou il faut quand même changer de ville? Non, en fait, ici à Cologne, voilà, il y en a tout. T'as besoin de studio, il n'y a pas de souci, il y en a. Il y en a du prix, disons, 40 euros pour une heure ou je sais pas quoi. Mais 50 ou je sais pas, 60, il y a même 100. Ah ouais, 100 euros une heure. 100 euros pour l'heure. Hein, voilà. C'est des malades, ouais. C'est des fous. Mais gros. Tu connais, des fois, c'est des studios avec un bon canapé, une bonne télé. Taï, tu peux te poser, tu peux jouer, je sais pas quoi. Et sinon, voilà, des réalisateurs, il y en a aussi. Il y en a. Vlad, réalisateur. Comme tu vois dans le clip de nous, sur 50-51 cartel, tu vois, des réalisateurs, on fait des bons clips.
Et en plus, ils sont pas si chers que ça, mais tu connais. Comme c'est la musique à toi, faut qu'Allah s'en défaut. Ouais, mais justement, le prix pour un clip ici à Cologne, en moyenne, tu penses, tu dirais c'est combien toi? En moyenne si c'est comme en France. Ouais. 300. 300. Hein. En moyen ouais, 300, mais après, tu vas voir comment c'est la vidéo. C'est pourri, t'as eu. 300 euros, t'as mis pour un clip, après, il va se poser, il va te montrer la vidéo, tu vas dire que ouais. Pourquoi j'ai pas mis plus, t'as eu? Bon, il y a un truc que j'ai remarqué. C'est pas les mêmes boissons qu'en France ici. Non. T'as eu ça? Hey, je te jure, voilà, c'est comme la cristalline à Paname. Ah ouais? Ou du Oasis. Non, j'abuse. C'est pas Oasis. J'abuse. C'est pas comme du Oasis. Non, du Oasis, c'est fort, mais. T'as eu ça? Voilà, si t'as faim, si t'as mangé, je sais pas, si t'as bon manger un bon grec, tu bois ça, voilà, t'es bien rassasié, t'es bien calé. Mais quoi, vous avez Oasis, Tropico et tout ici? Non. Voilà, c'est pour ça, si nous on part à Paname, la première chose qu'on achète, c'est de Oasis, pour mettre dans le frigo, t'as dit? Parce qu'ici, il n'y en a pas, du cristalline, il n'y en a pas, et je sais pas quoi, il y a quoi encore? Il y a un Kinder chocolat, les Kinder. Mais il y a du Kinder. Y a des Kinder. Mais eux-mêmes, ils savent que du Kinder, ça vient d'ici. Ça vient d'ici. Ah, ça Kinder, vient ça vient d'ici. Bah, Capricorn, il vient d'ici aussi. Capricorn aussi, ça vient d'ici. Donc, c'est pas seulement que nous qui copie, t'as dit? Ouais. Où est-ce qu'on est maintenant? On a changé de quartier là. Là on est dans le fameux Korweiler. Korweiler, c'est la cité où on traîne des fois, on se pose. Il y a mes potos ici, il y a des frères à moi qui sont ici aussi. C'est même pas loin de chez moi, c'est genre 10 ou 15 minutes. En voiture c'est 8 minutes et... Hey, v'là de bâtiment. Hein, c'est un vrai quartier ici, t'as vu? Ouais. Vlad, mon petit bâtiment, il y a Vlad qui, il y a Vlad Jean, il y a un centre là, où il y a des magasins, il y a JD, il y a je sais pas quoi, il y a tout. Là, on est dans le fameux Korweiler, c'est la cité, ma deuxième cité. Là, il y a un autre rappeur d'ici qui va nous rejoindre. Ouais, il va arriver là. Il est sur la route, je crois, je vois même, il est là. Viens, on marche vers là-bas. Allez, on va aller le trouver. Et t'as fait quel clip toi ici exactement? Ah ici voilà aussi on a fait plein des clips. On a fait Double Bang, on a fait ici, en groupe. On a fait quoi aussi? On a fait Black Pami aussi. On a fait un clip à un pote à moi. Lui aussi il est dans le groupe. Lui aussi c'était sa première vidéo aussi. Hein. Mais après il va te raconter. Mais sinon on a fait plein des vidéos aussi voilà. Il y a une question que je me posais, parce que t'as vu que là on était dans un autre quartier, là on est dans un quartier d'à côté et tout. Est-ce que c'est comment ici à Cologne? Est-ce que c'est comme en France, en Angleterre et tout, il y a des petites guerres entre eux où c'est tout le monde réuni? Genre nous, en vrai de vrai, ouais, il y en a des guerres des fois, mais entre nous, il n'y a pas. Des fois, il y en a, tu connais, mais c'est des petits trucs, t'as dit, pour des nanas ou pour l'oseille ou je sais pas quoi, t'as dit. Mais sinon, entre nous, il n'y a pas de guerre. Sauf si c'est des autres cités qui dérapent un peu. T'as dit, on les met sur place et après tu connais. Et c'est comment entre les rappeurs de Cologne? Est-ce que ça se soutient ou c'est chacun pour soi ici? Ouais, voilà, ici on se donne tous la main, on essaie de réussir ensemble et tu connais, si moi je pose une vidéo, t'as dit, tout le monde reposte, tout le monde poste mes affaires, big up à tout le monde ici et on est ensemble. Et ça c'est le poteau, ça c'est le frère LB, lui aussi il est dans le groupe. Hein, ça aussi, c'est un partenaire à moi. Ah, je suis le Cairo LB, plus ça vous fait être cartel. Hein? C'est un partenaire mauvais Joe. Zo. Puis comme un Cairo là, hein? Je fais des ambition de tag, ici Uplift, c'est que j'aurai ambition. Das LB. Ich kenne ja schon Joe, wir sind beide aus der Gruppe, machen zusammen auf jeden Fall Mucke schon seit einem Jahr, anderthalb, kann sogar schon zwei Jahre sein. Zwei Jahre, ja. So, Tom auf Karo, du viens d'ici du coup? Ich? Ja. Ich komme aus hier, ich bin geboren in Stuttgart. Da bin ich vor 6 Jahren hergezogen. Vor 6 Jahren bin ich hergezogen. Zum Glück hier, nicht woanders. Seit 2 Jahren mache ich Musik. Wie ich darauf gekommen bin, eigentlich mein anderer Partner, Zeus, nicht Zeus. Zeus war derjenige, der mich dazu gebracht hat, mit Musik anzufangen. Und dann auch ein paar größere Künstler inspiriert.
J'adore. Est-ce que vous pensez le rap allemand, ça peut s'évoluer comme le rap français, le rap anglais, tout ça, et devenir un gros, gros rap en Europe? Der Deutschrap vom Deutschrap und Französisch, Frank, FR, Rap, kann man nicht vergleichen, ja. Kann man nicht. Kann man nicht vergleichen. Das Ding ist, Frankreich ist uns da ein bisschen überlegen, meiner Meinung nach. Aber ich weiß nicht. Nee, ich denke nicht, ja. Ich denke nicht. Et souvent en France, on dit les trois pays, les trois premiers pays d'Europe où ça rappe, enfin où il y a le plus gros, la plus grosse scène d'Europe, c'est France, Angleterre et Allemagne. Est-ce que vous validez? Est-ce que vous pensez l'Allemagne, ça a la place dans le top 3? Ja, das stimmt. In den Top 3, was Rap angeht, Deutschland, Frankreich, England, nein. Niederlande. Nein. Wenn wir jetzt im Moment nehmen, Holland, Frankreich. Okay, da und England. Aber weißt du, was ich meine? Deutschland gehört auf jeden Fall nicht. Also, ich würd Frankreich Top 1, Top 1. Zurzeit UK Top 2 für mich. Und Top 3. Eigentlich echt nicht Deutschland, aber Holland? Ich weiß nicht. Aber ja, komm, ich würde Holland sagen. Ich bin lit. Auf Nightwalk. Hier sind wir vom Jutze. Das ist ein Jugendclub. Ab und zu hängt man hier ab. Hein? Macht das, was man nicht machen darf. Parmi les collègues là, qui sont là, est-ce qu'il y a d'autres rappeurs un peu? Ja, il y a un rappeur de la city d'ici, Emo, César. Hein? Chaud. Il était sur Spotify. C'est un peu à moi. Lui aussi fait du rap. C'est mon César. Je commence quand même là. Mit den meisten Jungs von mir. Ich mache Musik, nicht so lange ein bisschen. Erst auch so seit ein, zwei Jahren ungefähr. Ja, was soll ich sagen, ne? Checkt einfach ab, Emo César. Emo César. Je te présente un peu. Comment on dit Vesma? Taliban. Taliban. Les Talibans. Les Talibans ici, les Talibans. Il y a les Russes, il y a les Allemands, il y a les Turcs, il y a les Congolais, il y a les Togolais. Il y a tout le monde ici. Donc, One Love, on est ensemble. Dernière question, c'est toujours la même dans toutes les vidéos, celle-là. Je la dis tout le temps. C'est quoi votre équipe de foot préférée? Foot, wow. Si. FC Bayern München. De toute façon, lui, il sait pas de quoi il parle. Hey, c'est le PSG. C'est le PSG. La légende 30, Messi. Aïe. Chaud. Bon, c'est quoi? Messi. Toi, t'as raison. Messi. Toi, t'as raison. Hey, comment ça, il a raison? Ah, Gab. Ah oui, j'ai oublié. Erster FC Köln, natürlich. Rot-Weiß. Die Stadt nicht von meinem Herzen haben, Stuttgart haben wir auch ein Herz. Mais quand même, erst FC Köln, hein? On se débrouille. Heimatstoff haben wir auch. Mais, hein? Tu connais. Nein, oh, aber. C'est bien, gars. C'est quoi vos réseaux, Insta, Snap, tout ça? Sur Insta, Cairo LB. Mein Insta, Cairo LB. Chez moi, tu connais. Mauvais Joe, double A, double O, tu connais. La Rafale, pour l'équipe, 50-51 cartel. Sur YouTube aussi, c'est la même chose, 50-51 cartel. Et c'est ça. Ça tue les gars, merci beaucoup hein. Vas-y, merci à toi mon ref. Pass ein auf hab, doch ich weiß, dass du nicht zum Haus. Tu nix mit Kopf, ja ich weiß, dass es dich umhaut. Komm mit Guva, er knockt dich. 100 Baggies voll mit Gift. Tu mein Op in einem Spliff. Schwing mein Arm und er vergisst.